nous condamnons Zach Sayo. Mais nous reconnaissons en pile j'effort bon côté autorité aéroport pour pas gagner Zach Brenda Sayo. Je dis à nous c'est haïtiens. Nous avons intérêt pour nous sauver le pays. Nous avons intérêt pour nous dire bagayo Jean Yoé. Si il y a un passager qui perdit un bagay, il doit consulter service information aéroport ou bien ligne aérienne. Nous même Red Cap qui là pour aider passagers yo. Ça yo reproché yo, nous pas gain accès ni de près ni de loin de yo. Man, à tout l'autre monde qui gain responsabilité pour réconcilier nation. Merci. Bon, passagers yo, passagers qui voyagent yo, yo pas plein les rivé monde qui aide yo nan départ. Départ là lui-même c'est les monde pour aller. Côté que nous-mêmes nous là nous bal service c'est prendre mallette li mettez l'en dedans mettez l'en ligne avion pour le checker. Alors yo pas reproché rien de départ à côté pour n'accueillir passagers. Alors moun ki gen responsabilité en dedans pour aider passagers c'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes c'est juste d'ailleurs nous aider yo. Et nous aider yo avec en pile précaution. Côté que les travailleurs nous yo a travailler avec passagers nous bal tout principe comment pour aider. Les passagers gen 4 mallettes ou bien 5 immédiatement fin embarqué pour lui et pour faire vérifier avec famille les fois toute famille qu'on l'a avec ou faire vérifier est-ce que tout bagage est OK et puis le fermer là nous pas venir aucun report de ça alors et vous connaissez peut-être gen moun qui pas bien habillé là ou parler des passagers qui perdent mallette une fois que nous même nous dans l'aéroport là tout nous bail passager au service yo gen moun qui peut-être alors c'est pas moun qui fréquente l'aéroport non l'autre moun yo penser nous même tout nous inclus de ça qui a passé à l'aéroport. Alors nous-mêmes, nous mettons l'opinion publique là au courant. Nous avons tout intérêt nous pour passagers entrer dans la paix avec stabilité, avec tout contentement. Parce que passagers, ce n'est pas trop nous. L'État haïtien n'a pas bon moyen. Il a seulement facilité nous l'espace pour nous travailler. Mais ces passagers, pas trop nous. Nous avons intérêt, chaque fois qu'ils rentrent, ils viennent avec quel content les bon pour nous. Une fois que yo vini pa gen aucun bagage yo perdu les sa yo même le nous même nous ba yo accueil la de yo a yo pi satisfait mais les passagers a gen bagage li perdu depuis en dedans commence mauvais ou pas même ka aborder et c'est une raison nous même bon côté pas nous en tant que syndicat nous déplorer ça yo dit qu'a passé hein bien que nous même nous pas connait est-ce que ça fait vrai mais nous connaît volonté qui gen bon côté AAN pour rendre lumière faite, pour bagay yo pa aller comme ça encore, pour nous souhaiter que passage yo vini, pour yo vini avec contentement, les avin recueillir, les avin. Et 9 septembre, là, nous gagnons une journée porte ouverte dans le centre ambulancier national. C'est pour nous capables de célébrer la journée mondiale premier secours. Journée mondiale premier secours qui sont initiatives que plusieurs organisations prennent pour fêter, célébrer les gens qui travaillent dans la question de soins préhospitaliers, dans la question d'urgence, et ceci à travers le monde. Et nous-mêmes, nous pensons que dans le centre ambulancier national. Nous pas de faire ça pour compte nous inviter grand public là pour te venir rejoindre nous là aujourd'hui à la journée ça et pour lui prendre bon genre information pour lui capable de suivre des séances de sensibilisation, des séances de démonstration pratique pour lui capable de sortir avec un kichoy sous question et soins préhospitaliers et gestes et premier secours et nous pas faire en aparté non plus tout par rapport à l'institution que nous y a dans le domaine de soins préhospitaliers. Nous invitons d'autres partenaires à venir ensemble avec nous. Nous invitons Croix-Rouge, nous invitons IRO, Haïti Air Ambulance, nous invitons SAM Ambulance, nous invitons Protection Civile. Autant de partenaires qui viennent dans le pays qui travaillent dans la question de soins préhospitaliers, dans la question de soins d'urgence. Nous invitons à venir exposer ensemble avec nous. Chaque partenaire à différents moments dans la journée, vous pouvez monter pour journée, vous pouvez présenter l'activité, vous pouvez le présenter vous-même comme institution qui s'est fait et vous pouvez faire démonstration. Vous pouvez faire démonstration pratique sous question de réanimation, sous question de mobilisation, comment on déplace un monde qui vient de faire un accident. Il y a fait et sensibilisation, il y a bas information avec le public là, en façon pour nous assurer nous que il y a un maximum de monde qui gagne des informations par rapport à soins préhospitaliers, soins d'urgence qui sont disponibles dans le pays.
ça, est-ce que son consultation gratuite pour que les gens aient capacité pour recevoir? Et pendant la journée, nous espérons recevoir 400-500 personnes sur la cour. Nous n'avons pas prêté pendant toute la journée, mais nous espérons faire travail ça dans le pays, par soins préhospitaliers, par soins d'urgence et autorisation pour ambulance et institution ça circuler et par service dans le pays. Et le ministère a tout mis disponible journée et mettez disponible pendant la journée des services sur la cour. Par exemple, il y a une unité ministérielle à dépêcher là qui a travaillé dans ça les maladies chroniques, maladies non transmissibles, ou capable de faire contrôle de tension pendant la journée, ou capable de faire contrôle de secours gratis si chéri. La croix rouge, les mêmes vini, depuis la croix rouge, on côté, il y a un collègue de sang. Et nous comprenons, dans le soin préhospitalier, le gain accident, le plus souvent, ou besoin de sang pour capable de secourir mon nom. Et donc, la croix rouge, on poste de collègue de sang. Tout le monde qui veut bailler sang pendant la journée, il est capable de faire ça avec la croix rouge. Point fixe, c'est une stratégie que nous utilisons dans le centre ambulance national pour capibrer la population. Au lieu de toute ambulance en base, nous gagnons pour le moment 8 points fixes sur l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Et nous essayons de prendre différentes communes avec Carrefour, Pétionville, Kenskoftou, Croix-des-Bouquets et centre-ville de Port-au-Prince. La ville là, point fixe à déplacer pour prendre mon temps plus rapide pour mener dans la santé ou bien l'hôpital qui est plus près. Et cette stratégie, ça nous utilise à travers l'autre département. Nous gagnons des personnels centre ambulance national qui sont dans le réseau sud, nord, nord-est, qui viennent célébrer ensemble avec nous tous. Personnel ça, nous n'avons pas de café tout entrer. Donc nous faisons venir représenter 3 réseaux ça. Et au même temps, ils utilisent point fixe pendant que il y a une ambulance qui était en base pour garantir et accès à services à la population 24 heures sur 24. Actuellement, le Centre Ambulance National, qui est le plus gros réseau ambulancier dans le pays, il compte 70 ambulances à travers différents départements géographiques. Entre 60 et 70 ambulances. Pourquoi ça nous dit entre 60 et 70? C'est parce que dans le moment où on va pas la voir là, on ambulance qui est en Jérémy ou une ambulance qui est en Okaï. Donc ça veut dire que chaque matin, nous actualisons ce chiffre là. Mais nous toujours gagnons entre 60 et 70 ambulances qui est et moi installé dans la direction du Centre Ambulance National le 31 juillet qui s'est passé là. Cependant, collaboration avec le Centre Ambulance National, moi j'ai piloté le processus de restructuration que le ministère de la Santé publique, sous leadership ministre Marie-Guétoire Clément, t'a entrepris dans le Centre Ambulance National. Nous sommes capables de dire que le processus de restructuration, ça, c'est sorti dans la zone pour la phase de développement. Le Centre Ambulance National installé dans un nouveau local. Le Centre Ambulance National, il y a le nouveau uniforme que l'employé est équipé de eux, non seulement ici dans le département de l'Ouest, mais dans notre réseau. Le Centre Ambulance National, il y a un jour et 70% personnel qui est intégré dans l'administration publique là, c'est des contractuels tout le monde yoté. Je dis à tout le monde sud, tout le monde nord, tout le monde nord-est, tout le monde ouest, ils ont intégré. Le processus a continué pour l'autre département. Yo, parce que l'évaluation a été faite de mars jusqu'à juin 2017. Et c'est l'évaluation qui permet nous justement d'intégrer le personnel là. Nous avons un centre de formation qui a construit dans l'espace là. Parce que l'espace là est grand, il permet de nous faire d'autres aménagements. Nous avons un centre de formation que nous avons construit là. Nous avons une cafétéria avec cuisine que nous avons construit pour faciliter l'employé. Et il y a d'autres structures que le ministère a lui-même pour ajouter encore dans l'espace que nous avons là. Autant de réalisations nous capables de dire pendant un an de restructuration. Ça. Et quand on dit c'est une phase de développement, nous allons aller là. Nous avons gardé à extension réseau. Il y a des communes qui n'ont pas d'ambulance. Nous connaissons à vivre dans le pays à ressources limitées. Mais comment faire pour que les communes aient une ambulance? Fais petit garçon, oui. Déjà qui? Oui. Non, pas qui? Pas qui, d'accord. Pas qui, mais nous, on peut pas mal. Non, je dis, vous, regardez, c'est vrai, mais ça, il y a tout. Oh, à part de nous, là, quoi. Tout bon là, oui. L'autre ami, mon petit frère, là, les compères philo, qui viennent faire connaissance. Compères philo. C'est Madame Jamba, notre petit garçon. Pour une bénédiction. Madame Moula, nous sommes encore. Mes lunettes. Mais Alain, bonjour, je suis Alain.
Je vous ai apporté des graines de fleurs. Il y a qui de France. Ah bah, occupez-moi, ma mère. Oui, du chocolat d'ici. Occupez-moi. Mango. One. Pas besoin de serrer, mettez-le dans ça, il est pour vous dire. Mettez-le dessus dans la boue. Pas besoin de mettre ça. Pas besoin de mettre ça dans la fâche à vous. C'est pour mon gueule. Non, après, je n'ai pas. Mon gueule. Bon, il y a tout dans ce là. Mais c'est pas mon nom. Toi, tu as fait. C'est pas bon, il y a tout dans ce là. Qui vient nous à moi, il y a encore besoin de moi, il y a plus de visite. Mais j'aime bien. Mais, mes amis, continuez de m'aider aujourd'hui. Jacques, oui, chérie. Jacques, oui, mais là. Mon parole, mon parole. C'est vrai, ok. À deux. Non, parole, mon parole. Ok. Oh. Tu as découvert la situation, madame Jamba, et difficultés, et conditions de vie, et qui t'a dit que, bon, bah, ça sont à l'aide liée, parce que tu étais comme plus ou moins l'âge li, di m son moun ki plus centenaire, puis kad nan kondisyon précaire, moun nan veni, parce que fanyan pa gen ressources suffisantes pour prendre en charge. Et m di bon, on a fait visite parce que m son moun ki très concret, très pragmatique, mais ouais, met à la patte. Donc fon visite et on visite surprise avec un journaliste et du, ça me découvrir vraiment c'est à vous fendre le cœur. Vous prenez jeune Nishita, son nat à terre, il t'a fait manger lui-même, non ti mami, etc. On dit bon, nous parlons à la famille, nous dit nous avons un accompagnement. Et laissez-moi commencer. Lundi, je vais accompagnement. Il y a un cas individuel, un monde qui est plus que centenaire, qui ses conditions pays. Elle dit qu'on est citoyen ordinaire, on n'a pas de protection. Et puis, là, comment c'est grand monde, c'est ça qui parle de nous tous, y compris moi-même. Parce que le pays a un système d'assurance qui leur suspend le travail ou garantit que. Société n'a pas le prendre en charge. Okay? Donc ça a été nous tous. Et autour de moi, un paquet de professionnels, nous avons même drame. Non? Donc il y a un aspect personnel particulier, un grand monde qui est plus que centenaire, un patrimoine pour la société. A. Mais dès qu'on a cherché un autre bagage, il me dit, bon, au monde qui a 125 ans, c'est là que je te dis, mais il faut pas qu'il bagage qu'il vive. On va le servir avec aspect humanitaire là, pour faire un bagage éducatif. Tout. Vous avez dit non, nous pas venir aider là, nous pas venir organiser, nous pas aider faire caili, nous pas et un budget pour nourriture li, pour monde capable prendre soin de lui et santé et hygiène tout ça. Mais au-delà de ça, c'est l'idée fait là tout la cou. On la cou haïtien, quand on grand monde qui vivent, qui ont histoire, qui ont un trajet particulier et son lieu d'éducation pour élève l'école pour étudiants. Bon, les sociétés à mettre mon étudiant, monsieur habite Pétionville, toujours Canavé Vert, et bien, qui fait toute scolarité, et ça, c'est le bon qu'on est. Il y a un pays qui est province, il y a un pays qui pays en profondeur. Li. Et moi, je dis, il faut étudier mieux, parce que ça mène un pile avec là. Il faut étudier, qu'on est Haïti ça, tout. L'autre Haïti caché, parce que Haïti, son pays, nous toujours disons, son pays exclu, d'exclu, pays à l'envers. Il y a l'envers dans le sens que c'est majorité qui est exclue. En général, c'est minorité qui est exclue. Mais c'est majorité. Donc, il y a tête en bas à l'envers. Donc, dit, si vous avez un petit groupe d'études, c'est presque responsabilité pour me faire connaître l'autre Haïti. Ça. Donc, c'est l'idée ça que je devine là. Donc, Jean-Well, je dis, il nous faut venir tout comme journaliste. Ce n'est pas l'idée, non. C'est des journalistes qui sont informés de ça, qui disent, recteur, je vais faire une expérience à plus bien. Et ce qu'a fait mon manager en bas. Je dis, bon. Ok, au lieu de faire pour vous seulement, pour ça ne pas faire pour plusieurs journalistes, plusieurs médias, on a pas eu chance de faire l'expérience que nous vivons là nous-mêmes, à le faire connaissance avec Manajan. Et l'arrivée là, bon ouais, d'abord m'a regardé nous tout avec plaisir, comment nous vivons la relation humaine. Nous avons une amitié, une fraternité. Presque tout le monde là vit Manajan comme sous de la canne, c'est pas vrai? Oui. C'est son bel bagaille. Mais méditation, méditation, mais Dieu doit être même pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Nous n'avons pas bon, nous n'avons pas fait. Nous n'avons pas bon. Pas bon, madame, j'en bas. Bon, bon. Est-ce que nous bon, bon, bon. La prière pour nos jodia, entre nos prêts pour mourir. Amen. Vive papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Et depuis le commencement, jodia, et tous les jours, et pour tout le temps qu'il est temps. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en vous. Maestro. À l'idée de vous adresser un discours qui très certainement prendrait en compte les principes. Je voulais céder à cette tentation parce que de la grande utilité qui ressort de la séparation des trois pouvoirs dépositaires de la souveraineté nationale. Depuis la grande rupture de 1986 et la ratification de la Constitution de 1987, le peuple haïtien a compté des acquis démocratiques importants qu'aucun gouvernement ne saurait anéantir. Une nouvelle culture se développe dans notre société qui, malheureusement, se débat avec difficulté en quête de nouvelles politiques publiques. C'est le vrai combat qui invite les dirigeants à de vraies réflexions et à de nouveaux comportements plutôt qu'encourager inutilement la destruction des instruments nécessaires à la consolidation des idéaux démocratiques. Notre charte fondamentale a consacré les libertés individuelles et collectives
également. Elle a reconnu la liberté d'association, le pluralisme politique et de elle porte le bicaméralisme. Ce renouveau a renforcé la place du Parlement dans le système démocratique haïtien, même si certains détracteurs parlent de prépondérance parlementaire ou de régime d'assemblée. C'est plutôt une juste compréhension du législateur qui a voulu éviter la confusion ou la concentration des pouvoirs au gré d'une explosion démocratique survenue après 30 ans de dictature. Voici la raison fondamentale qui porte le peuple haïtien à considérer le Parlement comme un instrument nécessaire à la défense de ses intérêts. Dans un passé récent, il a été donné de constater le support que l'institution parlementaire a récolté face à des temps remarqués pour l'assumer, que certaines critiques adressées au Parlement sont fondées. J'en appelle à l'intelligence et à la sagesse de mes collègues qui devront admettre l'urgence de corriger certaines pratiques dans notre palais législatif. Nous avons le devoir de maintenir en vie le Parlement haïtien et c'est à nous aussi qu'il revient de renforcer chaque jour davantage l'honorabilité de notre institution. Mes chers collègues, voici le genre de propos que je m'étais proposé de vous livrer aujourd'hui, comme je voulais les partager avec la nation tout entière. Mais le Parlement que j'exalte aujourd'hui se trouve pris dans la tourmente qui nous impose à vous comme à moi de disséquer la conjoncture pour détecter les vrais du faux. Depuis le mois de février 2018, l'Assemblée sénatoriale fait l'objet de certaines critiques pour avoir orienté un dossier vers l'institution chargée d'auditer la gestion des deniers de l'État. Aujourd'hui, aucune institution, aucun dirigeant, aucun citoyen ne peut faire l'économie de se faire brûlant côté COP Petro-Caribéen. Il faut l'aborder avec un esprit lucide, pondéré, pour ne pas le noyer sous la vague des émotions populaires au risque d'échouer dans la recherche des informations vraies qui doivent identifier les dilapidateurs de ces fonds. Dans tous les départements du pays, des villes et des bourgs, comme des sections communales, s'élève le cri des hommes et des femmes. Les jeunes partout sont debout et demandent des comptes. Le pouvoir que nous confère la Constitution nous commande de bien remplir le rôle qui est le nôtre pour voir les institutions compétentes fournir au peuple les explications qu'il exige à bon droit. Désormais, Petro-Caribé constitue une affaire. Une affaire nationale qui interpelle tous et chacun. Petro-Caribé
doit être considéré comme l'aune à laquelle se mesure la civilisation haïtienne contemporaine selon les traitements que nous aurons décidé de lui accorder. C'est aussi un dossier qui peut faire le prétexte d'un nouveau contrat social qui tiendra compte de la corruption à combattre, de la justice à renforcer et d'une nouvelle gouvernance à instaurer. Le Parlement connaît ces temps-ci une autre turbulence qui se réfère à la ratification du nouveau gouvernement. Depuis la tempête sociale des 6, 7 et 8 juillet, les élites se sont interrogées et au terme des évaluations est sorti un sursaut qui a imposé un nouveau gouvernement à la tête de l'État. La démission de l'ancien gouvernement et la nomination d'un nouveau ont imprimé une accélération de l'histoire nationale dans laquelle s'est volontiers inscrit le Parlement qui, dans le cadre des prérogatives, a...